nous debout nous ensemble comme ça, et ben connaît que bon bagage spécial, c'est un procès historique qui t'a déroulé, bon qui toujours a déroulé et ici aux États-Unis dans New York, côté que pour la première fois dans l'histoire que un ancien président américain trouvé dans un procès pénal. Et ça reproche d'abord Jean-Robert, faut nous dire ça qui fait qui ça procès ça est. C'est Jean-Robert dit nous d'abord son question de couplage. Oui. En 2016, ça, ancien président était candidat. Et puis, il y a un scandale qui n'a pas éclaté. Il y a une dame qui a une relation avec ses familles d'ailleurs, qui a une relation avec elle en 2006. Et ça serait que la dame n'a pas fait le bois avec elle. Donc, pour éviter des dégâts que ça a commettre, le président est passé à côté à travers l'avocat Michael Cohen, qui lui fait la famille d'ailleurs, lui un agent pour faire une boucherie, pour parler de la dehors. Et c'est causé ça, bien sûr. Puis, ensuite, il falsifie des documents dans l'entreprise de pour capable faire l'argent passer comme l'argent normal que le TP avocat pour des services légaux qu'il a donné, alors qu'il en réalité c'est pas ça. C'est ça qui est la base pour ce là que je dis à qui est très certainement et jury à genoux. On peut dire que nous parlons qui ça a lié, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif ou en ce pays de l'argent. Et ça que nous venons jouer, nous connaissons là. Pas oublier deux points que Jean-Aubert signalé. Deux points, premièrement, il y a une question de acheter silence au monde pendant la campagne électorale 2016. Ça veut dire que gagner un avocat qui était des amis et ancien président Donald Trump en parlant de Michael Cohen qui t'a bail Stormy Daniels qui c'est un vedette porno $130,000 pour le pas dire qu'il était non à aventure ou bien relation boboutage amoureuse avec président, c'est en 2016, c'est ça Jean-Robert so dit nous. L'autre aspect encore et l'autre que ça a considéré tant qu'on crime tout, c'est le fait que t'as semblé que nous ouais nous dit t'as semblé parce que verdict là yo joindre mais pourquoi dit nous qui ça allait. T'as semblé que eh ben ancien président l'elle montait dans la maison en 2017, eh ben t'as falsifié et cahier comptable pour yo ranger koyo pour cobla pour ka remettre Michael Cohen $130,000 que yo te bay Stormy Daniels là. Donc journée jodi a ça fait nous une côte rapide là, c'est parce que tu gen deux journées délibération. Deux journées délibération, ça c'est côté que eh ben jury a lui-même eh ben lui-même il t'a prend toute information et dernier bah écrivait c'est que tu besoin de témoignages notamment témoignage Michael Cohen pour être capable de prendre décision. Donc dans moment n'a pas la vol là qu'on y a Jean-Robert, moun yo gen verdict là. Et verdict là bam di nous ça ka verdict. Verdict là c'est faut yo joindre pour condamner ancien président Donald Trump, faut tout 12 membres jury yo d'accord avec ça. Si yo joindre green, si yo joindre 11, gen moun da di yo joindre 11 et demi. Oui, c'est ça que avocat défense sans le besoin lui-même. Li besoin parmi 12 jurés qui c'est 7 garçons, 5 filles, li besoin joindre 11 green là-dedans qui gen doute. Sous accusation. Et depuis que tu as une grande jury, ça, eh bien, ancien président, nous t'a dit que l'étape dehors. Non, mais nous pouvons dire, nous pouvons dire sous cause, mais c'est là que la question est, est-ce que tout le monde jury, tous les 12, alors, il faut qu'on différence avec les téléspectateurs, un procès criminel, faut tout jury honnête d'accord. C'est qu'on sait, un procès civil, tout jury n'est pas obligé d'accord pour une culpabilité ou pour mettre pendant dehors. Donc, c'est différent ça qui vient entre un procès criminel avec un procès civil. Dans le cas où il y a là, son procès criminel que lié, donc tout jury est obligé d'accord. Et c'est ça que l'historique tout, un procès criminel contre un ancien président, son bagage extraordinaire. Bon, c'est sûr que grand pile question qu'a posé, si par exemple, un jeune coupable, si un capable, un jeune coupable, il est capable de faire 4 ans de prison, ou moins, d'audience là, gagner membre jury, donc en parlant de 12 jurés, gagner 6 qui est à côté. Pas oublier tout, gagner 12 jurés, gagner 6 qui est à côté. En anglais, on t'a dit just in case. Gagner balle à tomber. Non, il va tomber, Jean-Aubert. Non, moment n'a pas là. Non, moment n'a pas là, monsieur anti silence. M'a regardé jusqu'à présent pour ça que ce petit coup là sur l'agence nouvelle Reuters. Il dit que l'État semblait que jury a joué Donald Trump guilty, coupable de 10 ans jusqu'à présent. C'est ça que je ne c'est ça à compter qu'on y a là. Donc, il y a compté, il y a 10, et ouais, c'est un cas chef d'accusation. Donc, il y a 10 que je ne coupable. Maintenant, continuez sur et puis, on m'a parlé, m'a retourné sur encore, m'a pas dit. Donc, ça veut dire que, dans le moment, ça, eh ben, membre jury, il y aurait le juré, gain 18. Mais c'est 12 qui a pratiquement, et yo même c'est yo qui baille
et cap délibéré. Donc si soit yo pas délibéré, c'est just in case, ça veut dire si zo kapaka, ego an da traduire la créole. Si zo kapaka ta gon moun ki gon problème ou bien le malade ou bien le gon bagay qui fait que le pas capable, donc nan six slot moun sa yo capable prendre. Donc nan moment n'a parlé là, y a pralé, y a compté chef d'accusation parce que y a 34 chefs d'accusation qui lient avec falsification document. Nan salle d'audience là, gagne très naturellement gagne juge Merchant, gagne très naturellement avocat défense, gagne procureur yo, et puis gagne président, ancien président Donald Trump, li gagne avec avocat palio, mais il gagne tout avec Eric Trump qui c'est petite garçon qui accompagne dans moment ça. Donc il y a compté l'un après l'autre pour yo capable garder et qui point yo. Jean-Aubert gagne l'autre, Jean-Aubert lui-même li l'a fait update pour nous. Il t'a semblé juillet à ta jeune président, ancien président coupable de tout chef d'accusation. Il t'a semblé parce que c'est Samuel qui l'a dit tout chef d'accusation. Donc n'a vu on mise à jour encore que et en fait l'agence nouvelle Reuters a fait sur question ça, mais avant nous déplacer là n'a bay et spectateur verdict que nous connaît que agent de pression qui sur place tout parce que puis était c'est passé. Alors on dit bon qui en jeu qui gagne là dans qu'on y a là. Alors d'après nous elle dit que même si président Donald, ancien président Donald Trump t'a coupable, ça pas gon ça a gon effet sur lui dans l'élection présidentielle, il est capable toujours mener campagne, il est capable toujours mener campagne, mais il est capable perdre électeur. Par exemple, t'as couru électeur indépendant, il est capable perdre là-dedans. Tout comme il est capable perdre tout quelques électeurs républicains. Mais il est capable toujours mener campagne. Donc ça pas gon bail. Donc nous pas qu'on s'il parle en prison, bon s'il est en prison, qu'on n'a pas qu'à mener campagne. Maintenant l'autre là toujours je dis, même s'il remporte l'élection en tout, s'il t'a remporté l'élection, verdict a pas empêché que les prête serment comme président des États-Unis. Donc c'est ça qui est un petit peu confusion que n'a quitté pour et spécialiste dans le domaine ça, dans le domaine légal, surtout le monde qui a intéressé dans ce qui a passé aux États-Unis, dans la politique américaine, parce que c'est bon, bah, ils ont fait dans l'histoire, donc c'est pour déjà vu, c'est une première fois que ça arrive, donc qu'il y a provision dans légal qui pourrait qu'il y en ça. En attendant, continuez oui. Avec oui, et en attendant, moi, m'a pensé, Frendé Denis Julien, préparez-vous parce que n'a vinn sou, parce que c'est une question droit ça yo. Et fon di nou tout que 12 membres jury a, yo même y a gagné Léo fin yo même, yo fin by délibération yo, son bagage que on décision après que après mettre by juge là. Et juge là avec son pouvoir discrétionnaire pour aller gagner pour lui-même pour le traduire dans règles légales selon procédure légale. Parce que moun ki jury yo, moun ki membre jury a, yo pas forcément gen connaissance en pile compétence dans la question juridique. C'est ça qui fait que avant que yo délibéré, eh ben gen juge Merchant. One Merchant lui-même l'aller, li voye il ba yo un document qui gen environ 30 pages pour yo capable comprendre ça affaire. Jean-Aubert Guélin. Et effectivement, quand il y a un gars qui a des journal et un autre journal américain, c'est toujours Reuters qui c'est une agence nouvelle qui associe que nous prenons abonnement en main. Mais il dit d'après Samuel Lila, il dit que jury a jeune président, ancien président Donald Trump, coupable de toutes 34 chefs d'accusation sous affaire l'agence là. Maintenant, qui ça juge pas décidé, nous pas connaît, est-ce que ça veut dire qu'il parle en prison ou pas, c'est encore discrétion du juge là, qui peut décider s'il a beau et la Kaili, s'il a Kimbeli, etc. Mais son dossier encore, dossier à, nous connaît un peu le monde, t'es gain doute. Oui, oui, t'es un peu le doute parce qu'il faut te jouer 12 membres jurya, et qu'on y a tout membres jurya, n'est jouer n'est coupable pour tout 34 chefs d'accusation. Nous juste après appeler les spectateurs que n'a plus, un texte que, agence nouvelle Reuters publié pour qu'on y ait là, non, on n'a pas de là, qu'on y ait là, ça y est 2 minutes. Docteur Koujaoubert, dis-nous, et selon toute spécialiste, si on joue un coupable, il est capable d'aller en prison, le juge là tout capable de prendre ça, il y a l'autre alternative. Alternative là, il est capable de présenter sanction, il y a un gens, et qui permettent que il pas à la prison. L'autre bagarre encore au niveau électoral, loi électorale pays, il est capable dans prison mais toujours sous ballot là pour y aller voter sur. Bon, il y a un spécialiste qui dit que eh ben nous connaissons que dans élection présidentielle, surtout les candidats yo ont déjà patte pour patte très serré, il y a toujours des électeurs qui indécis, qui hésitent côté que yo même y a tant yon événement pour qui capable faire au point une décision finale. Gen moun ki 24 heures avant élection. Par exemple, élection fixée pour 5 novembre,
Et mais 4 novembre, vous avez pour qui ça voté. Et puis, il y a un dernier bagage qui peut arriver. Et puis, dernier bagage, ça, c'est lui qui peut dire, ah, et bien, que c'est pour le monde qui peut voter. Donc, c'est à partir de ça, tout. Élection, avec jugement ça capable, et bien, ça, il est capable de faire, il est capable de pencher au monde, un côté, ou bien le pencher en l'autre. Pas oublier tout, il y a l'autre bagage encore, Jean-Aubert. Même si nous pas analyse politique, ancien président Donald Trump dit que ça a fait là son persécution politique. Et gen moun tout par pitié, ça c'est analyste qui a dit ça, même par pitié, par commisération, François a dit, eh ben, yo même, yo vin pencher parce que son moun y a persécuté. Parce que, ancien président Donald Trump toujours dit que ça a fait là son bagay qui grave, son persécution, son mauvais bagay pour la démocratie, et longe doit même sous président actuel, là, président démocrate là, Joe Biden, il dit, bon, c'est un qui bien compétent, c'est lui-même qui instrumentalisait la justice américaine contre lui. Donc, qu'on y a là, c'est une autre phase qui peut arriver. Nous t'es sous place et Valérie Saint-Louis, mais qu'on y a son autre phase qui peut arriver, Jean-Aubert, parce que après, que au fin de jouer ni coupable pour 34 chefs d'accusation, ça y est, qu'on y a juge là lui-même pour aller gagner pour le. Ouais, c'est discrétion juge là. Alors, système justice américain, en fait, dans tout le système justice là, quand nous, eh bien, lui-même, lui, il prévoit que accusé a, il est capable toujours en appel. Donc, son bail qui peut vous finir. Mais tout ça là, les États-Unis, dans San Rélé, non, territoire inconnu. Parce que ça, pourquoi j'aime arriver qu'on cas pareil. Alors que, parti concerné a, lui, en pleine campagne. Mais on dit qu'on verdict tout, même si on met en prison, ça va pas empêcher que mène une campagne. Nous parlons qui en s'il en prison, qui en va mener une campagne, mais ça va empêcher de mener une campagne, et ça va pas empêcher non plus tout, s'il t'emporte l'élection, parce que l'électeur a un choix tout. Parce que, puisque l'élection, c'est 5 novembre, l'élection pour le fait, donc si l'électeur voulait, il a décidé voter en faveur, donc, nous pas connaît, ça fait nous dire, nous, non, territoire inconnu, est-ce que qu'on n'y a pas retiré dans la prison, parce que c'est, d'après, et règlement prévoit les capables pour un maximum condamnation capable prendre jusqu'à 4 ans de prison. Donc ça veut dire que nous n'avons quelques mois des élections présidentielles. Donc ça veut dire que le cap mène une campagne, il dit que le cap toujours mène une campagne. Et le cap va en appel. Alors aller en appel à permettre qu'il abat le temps quand même pour continuer à mener une campagne, ça va empêcher que les mener une campagne. Mais la nouvelle là vraiment c'est et l'inattendu, et puis bon, il y a un monde qui te dit oui, il y a plus de coupable, mais jury a, finalement, jury a, tout le monde jury a net, mais il y a d'accord que, effectivement, tout un cas, chef d'accusation soit fait, l'argent coûte l'argent, ça, etc. Eh bien, et ancien président des coupables, mais, et juge la télé a rencontré avec avocat des deux parties pour te, bah, une nouvelle là, et il dit que d'après même sous compte personnel président sous social tout social et mais lui-même monsieur Guéret n'est pas d'accord avec décision et je lui apprends au connaît c'est président Trump mais il fait le bon faut dire que au niveau ambiance et gain salle là gain salle au niveau ambiance dans salle là gain policier qui là gain président gain ancien président Donald Trump qui avec et petit garçon Eric et Eric Trump et puis gain tout avocat défenseur qui avec tout et puis d'après information qui vient de joindre et ben bon et tribunal là faut dire que jury était dans 15e étage côté où t'as fait délibération hein? On voit que rentrer dans salle côté que y a le bail et verdict là. Eh ben, gagner hélicoptère qui ont des gens absillonnés toute zone. Parce que c'est une question de sécurité là-dedans. C'est ça qui fait que, ni moi-même, ni Jean-Aubert, aucun journaliste pas qu'on est, et 18 jurés. Personne pas qu'on est, et aucun béo sur le saut du secret. Et gagner pour yo même pour qu'un bé non yo secret donc Jean-Aubert nous pral obligé et bay place là parce que et monsieur Poyol le je veux bay nouvelle là tout bay parce que nouvelle là chaud nous devant jeudi hein comme d'habitude donc c'était donc à nous récapituler pour nous dire que d'après délibération 12 jurés qui tap travail sous cas et ancien président et ancien président Donald Trump là et pour falsification de documents 34 chefs d'accusation il y a tous les 34 chefs d'accusation je n'ai coupable pour tous les 34 et qu'on y a pour le bail juge là il va remettre juge là dossier et qu'on y a juge là lui-même pour quelqu'un pour décider donc ça veut dire que président Trump est dans l'histoire des deux côtés premier président qui fait face à un procès pour un crime etc et il est le premier président tout qui est un juge coupable pour un crime que le commet
pour crime que commettre 30 cachets d'accusation. Nous parlons de Stormy Daniel, et c'est falsifié documents, etc. Donc, voilà, je vais retourner. Ça, c'est les États-Unis. C'est démocratie en action. C'est démocratie en action. Donc, la police prend une grosse disposition dans New York, nous comptons ça, parce que tu es déjà prévu avec on veut dire guilt et coupable ou non coupable. T'as capable de gagner des autres, t'as capable de gagner des rapports. Donc, c'est sûr que les policiers de New York prennent des dispositions pour que éviter pas une case brisée. Et nous connaissons ça qui s'est passé. Et nous connaissons que déjà, t'as un monde qui t'a parlé que le président Trump pas coupable des affaires. C'était une pression politique que le président Donald Trump lui-même dit qu'il pas croit que le tape gagne un jugement qui t'a et faire équitable. Mais il est toujours à dénoncer les procès, son procès zombie, qui n'a aucun fondement là dans l'île, c'est presque une politique liée, donc c'est, on chasse aux sorcières à faire contre lui, etc. Donc, mais ça va empêcher que, il est toujours candidat parti, en fait, candidat pressenti, parti républicain pour l'élection présidentielle, novembre et 5 novembre, qui est certainement pour faire face avec, et président sortant, n'a pas Joe Biden, qui est candidat parti démocrate. Donc c'était Jean-Robert Philippe et moi-même Jacques Lebelizer. 30 mai ça a retenu son date historique côté que eh ben c'est première fois dans l'histoire des États-Unis côté que yon jury joigne yon ancien président coupable dans un procès criminel. Donc restez branchés, n'a vini avec l'autre information pour vous. Bon, pratiquement actualité à la demi surtout avec mon attente qui vient sur après nomination. Et Gary Conny, docteur Gary Conny, comme premier ministre haïtien, et c'est qu'on y a, il y a tant à ce que, pratiquement, est-ce que lui va en Haïti déjà, parce que, normalement, nomination de fait là, désignation de fait là, il n'est pas en Haïti, donc est-ce qu'entre temps, et premier ministre, il vient en Haïti, nous, pas qu'on est, mais qu'on y a, c'est travail, conseil présidentiel, transition, la fait, qu'on a pas de travail avec premier ministre. Et là, pour y mettre sous pied, y a un gouvernement. Bon. En fait, le gouvernement, tout le monde a dit, il dit, il faut que son gouvernement largement large, côté au jeune, qui a de gain représentation, plusieurs secteurs, là, dans surtout secteur qui formait, et conseil présidentiel, là, conseil que le secteur était mis ensemble, puis il était mis sous pied, conseil présidentiel, là. Donc, c'est sûr que chaque monde va chercher, demander, parti par eux, en cabinet, etc. En principe, dans le temps passé, c'était près de 18 et cabinets ministériels, sans compter le secrétaire d'État, et direction générale, et poste ambassadeur, tout le ça. Donc, c'est, qu'on y a assez, tout le monde cherche son côté pour mettre quoi, pour entrer. Et pendant où machine, où bicyclette a viré, donc tout le monde se cherche, qu'un bébé ou a pendant la vie, pour qu'un bébé ou pas la récorde. Donc, c'est ça qu'a fait. Mais, nomination, et, premier ministre, qu'a reconnu là, il y a une controverse quand même, il y a un monde qui a babi et tout, et qui a dit que, est-ce que, effectivement, rempli toutes conditions qui t'ont demandé, etc. Mais, t'es un petit paragraphe, non, et à 4 avril, là, qui t'est, qui t'est portal ouvri, pour, un haïtien qui t'a vu dans la diaspora. Parce que, il dit que, il t'a semblé que, docteur qu'a reconnu, t'as déconnecté de réalité, à c'est-à-dire que depuis 2011, l'aile était fine, en fait, 2012, pratiquement, l'aile était fine, non, on bouche tout, oui, avec le président Michel Martelly. Donc, là, ça, monsieur était démissionné, et avec fracas, il est démissionné, donc, le message, t'as semblé que lié à l'étranger, donc, t'as qu'à déconnecter. Mais, il y a tout le monde, partisan, ou bien encore l'autre leader politique, qui dit que ça va empêcher, ça va empêcher que le fait travail que le doit faire, parce que, et gain l'autre membre gain l'autre monde gain conseil là gain l'autre monde qui dans le pays qui connaît et qui capable accompagner dans démarche à faire pendant ce temps on travaille pour et accueillir force multinationale là ou bien force sécurité internationale là qui Kenya entre les mais ça l'a continué c'est pas presque fini même parce que l'avion américain continue à porter matériel nécessaire pour bâtir base et militaires étrangers, c'est ça capable a fait dans un aéroport. Mission Kenya qui était en Haïti, la mission ça a déjà quitté Haïti, déjà retourné au Kenya. Donc, certainement, il y a un dernier rapport avant force multinationale à déployer, mais le président Kenya, dans une déclaration d'après la presse Kenya, et rapporté, il a dit que c'est pratiquement ça va prendre 3 semaines pour que force là les déployer en Haïti. Donc, encore, c'est une période d'attente encore. Et, après, on a dit que l'aéroport, l'assemblée, l'ouvre, qu'on y a,
étant donné que l'armée canadienne a annoncé un vote jeudi à même, de lundi, jeudi 30 mai, donc il y a un vol qui peut capable en Haïti, et très certainement il y a l'autre réservation encore qui est là, et il y a un spirito qui beaucoup fin clair, jet Bluetooth, il a annoncé même tout, il a pour commencer opération. Et puis bon, la compagnie locale là, on a parlé de compagnie aérienne locale qui fait et ville provinciale avec eux-mêmes, depuis quelques jours, depuis presque une semaine, depuis plus de 100 semaines, eux-mêmes étaient déjà à opérer. Et ils n'étaient pas encore, nous étaient qui n'ont pas nous parfois de parler, de parler de système en actualité à l'abdomen, et puis je dis à tous pour amis nous qui sont frontières et Mexique avec États-Unis, mais qu'il y a une belle go élection au Mexique, et l'élection ça l'improbable d'après tout sondage qui était bail capable de gagner pour la première fois. Et si tendance électorale et j'en pour aller à, et bien probable que Mexique capable de gagner président fi. Et c'est ça qui est en train de s'en bas. Mais n'attend quand même le résultat parce que c'est l'électeur qui va prendre des décisions. L'électeur pour agiter bulletin aujourd'hui à son gros élection. Côté président Manuel López Obrador, lycée président sortant, donc le candidat pour propre élection. Et puis il y a une dame ça qui est campée, qui est censée abtalonner pour le résultat, mettre à terre sous fauteuil bourré. Et puis, bon. Activité gang yo continue à mener opération par yo, non, passons par yo. Et c'est vrai, dernièrement, ambassadeur américain en Haïti, M. Hankin, s'était déclaré, et, bon, mais ça va, gang yo, c'est prison, ou bien, faire voile pour payer son chapeau. Et donc, si monsieur pas déposé les armes, il peut également, il vous le faire passer, il dit que, il n'y a pas qu'à quoi, tout le monde qui est dans la salle, de gagner une alternative pour tout le monde qui à l'école, il n'y a pas de, étant donné qu'il n'y a pas rien à faire, donc facile pour que les gangs recrutent pour au travail, pour travail et puis commettre crime pour eux. Donc c'est peut-être mission force multinationale. Il y a un peu l'idée par qui a parlé, il y a un peu qui dit que force multinationale n'a pas bataille avec gang, il va seulement travailler avec police nationale là, donc il va travailler à côté police nationale là pour il va entrer des police nationale là. Mais on l'a dit que non, c'est bataille avec gang eux-mêmes pour rétablir la paix, pour qu'il y ait une élection au pays. En parlant de ça, et selon tout expert qui a suivi le dossier haïtien, mais il dit que le conseil présidentiel qui l'a initialement, il n'a pas même gagné. Et mandat a fini 7 février 2026, le pouvoir passer par un président élu. Donc, il dit que quel soit le gouvernement qui a fini, il n'y a pas de bagarre que le capable faire, c'est chercher pour avoir un marché pressé. Et marché pressé, ça, c'est d'abord une loi électorale, et puis une révision constitution, c'est ça qu'a fait, ou bien qu'on passe maintenant la constitution toujours, ou bien éventuellement, s'il y a un temps, conférence nationale, et puis les élections. Bon, le conseil a été déjà préparé un document côté de parler de et l'année 2025, c'est vraiment une année électorale. Donc, toute discussion à prendre. Donc, on y a une fois que le gouvernement s'est fini d'installer, nous pourrons tomber dans les phases pour préparer et nomination d'un conseil électoral provisoire qui lui-même pourra réviser ce qu'il a, ce qu'il sait, ce qu'il a besoin. Et puis, pour que le campagne là est lancé. Mais le campagne là n'a pas qu'à lancer tout si conditions de sécurité n'ont pas réuni. C'était toujours la même question ça qu'il a depuis sous président Jovenel Moïse, que les candidats étaient dit, on va avoir l'élection si conditions de sécurité n'ont pas réuni. Surtout, que zone côté gang est contrôlée. Donc, il faut que la question ça résout. Donc, voilà, c'est ça, les Jodial. Je ne vais pas prêter trop non avec nous, Jodial. Et c'est vraiment bien, nous, Jodial, c'est fait, là, en Haïti. Donc, activité à reprendre pratiquement demain. Bon, nous, on va à la voie d'Amérique. Et tempête ou pas, nous là, fête ou pas, nous là. Pour nous peut-être nouvelle là-bas, on va se mettre à fermer. Et puis, dans New York, actualité assez surtout avec jury à cap délibéré pour qu'on prenne une décision. Et c'est une décision que va prendre, c'est plus qu'on est. Est-ce que si ou non, que président Donald Trump et ça reproche la jeune coupable pour lui. Alors, son jury qui gagne 12 membres là-dedans, 7 garçons, 5 filles. Et dans ce type de jugement, ça y est, faut
tout juillet, tout doucement, il faut que tu es d'accord que, effectivement, Donald Trump coupable de commettre fraude, genre que de chercher falsifier ces documents pour te cacher l'argent 130 000 dollars, te bailler Stormy Daniel pour te éviter, pour acheter Paoli pour pas aller prendre la rue, aller raconter qu'elle était dans l'affaire amoureuse avec l'ancien président en 2006. Ça qui était capable d'affecter la candidature de Donald Trump en 2016, elle était candidat. Et non seulement ça, tout, ancien président, tout, il était un journal, un magazine que dit même tout, il était maintenant responsable magazine, il était acheté article, tout article qui était venu pour être défavorable pour eux. Et bien, monsieur était pour un article, ça, il éliminé l'article, ça disparaît. L'article était qu'on disparaît justement pas de aucun article qui t'a pas défavorable à l'ancien président qui l'a affecté et candidature à l'ancien président. Donc c'est ça qu'il a dit. Alors, des fois sans grand seul bali, des fois sans besoin, yon gren sous douce qui pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, donc le président est dehors. Parce que son procès criminel a fait, il faut que tout le monde d'accord que dit qu'on. Alors, une question à poser, tout qui s'est passé, si tout jury, membre jury est d'accord, effectivement, ça qui dit, c'est ça, etc. Et est-ce que le président Donald Trump va toujours candidat? C'est la grande question. Parce qu'il est toujours candidat, et Fondal et puis nous toujours avec expert, vous avez dit, par exemple, et il me dit, bon, est-ce que si l'électeur allait voter carrément, ça va passer. Bon. Si l'électeur allait voter, il voter, même s'il est dans la prison, et l'électeur allait voter, là, c'est pas le libérer pour continuer pour lui faire mandat. Autant de questions qui gagnent, mais nous quittons ça pour expert sur affaire élection, expert dans sa question américaine, eux-mêmes, qui sont même capables de répondre à question si là, et ce système pour ton réponse. Par exemple, maintenant, je suis toujours en attente que qui donne les décisions, qui décision le juge après le prendre lui-même, mais je suis allé en libération et nous apprendre que le juge a eu des difficultés tout parce que il y a des témoignages qui étaient faits, il n'y a pas de fin trop clair sur eux, il y a des témoins depuis eux, et tant de témoignages ça encore avant que eux finissent, on va dire sur situation et d'histoire, marqué l'histoire, la première fois, il a pu juger un président et américain. Voilà, mes amis. Ma petite bonne ouais. Et puis, dossier Dominique, il faut qu'on commence à regarder Dominique, comme ça, pour regarder Haïti encore. Pas oublier que l'élection président de Sabinade, limite la campagne électorale, soit Haïti. Que l'été mettait non mauvais en et puis d'utiliser le dossier Haïti à politique à remporter l'élection. Mais l'Elfin remporte l'élection, qu'on y a dans la réunion que le fait, il reparle d'Haïti, il dit, ah, nous perdit combien de pourcentage dans la relation commerciale avec Haïti, il faut que nous repensions le dossier-là. Et très certainement, Haïti de Gomba est dans le tout. Et c'était le dossier canal-là. Donc Haïti de Gomba est dans le tout. Si Dominique a vini qu'on y a, pour venir conquérir le marché haïtien, eh bien, il faut que Haïti pare tout pour lui et faire un contrôle de qualité, contrôler les produits dominicains qui sont en train de passer. Et nous apprenons que d'après ça, une nouvelle rapportée, Dominique était comme produit pour nous, alors que le produit que vous vendre en Haïti, ce n'est pas de produit de qualité. Donc, il manque un contrôle du côté du ministère de l'Agriculture, c'est en fait ça. Donc, il faut que nous parions qu'on y apprenne ça. Et comme par le nouveau gouvernement, donc c'est certainement va bien. Et une autre façon, une autre approche dans la relation commerciale entre Haïti avec les Dominicains. Et jusqu'à présent, Haïti était un plus bon marché que les Dominicains vendent. Reste bagaille pas besoin. C'est là qu'il y a la guerre. Et bon, pour nous utiliser pour manger. Voilà, j'ai.